Bonjour et bienvenue. Dans l'article précédent, je vous ai présenté et fait un petit test du chargeur secteur CIPort coquille m'a envoyé, CIPort USB coquille a eu la gentillesse de m'envoyer. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un tapis de souris, toujours que d'Oki, donc que j'ai reçu également en même temps que le chargeur CIPort. Donc c'est le deuxième petit test et la deuxième présentation de ce petit partenariat. Il y en aura un troisième. D'ici quelques jours au maximum. Voilà, donc c'est un tapis de souris qui fait 90 cm par 40 de haut par je sais plus combien d'épais, mais bon, c'est moins important. Voilà, donc c'est un grand tapis de souris sur lequel je vais donc pouvoir placer le clavier qui est là, donc un Magic Keyboard d'Apple et ma souris Logitech. C'est une G502 pour ceux qui se poseraient la question. Donc je vais ouvrir ça et je vous montre un petit peu comment est ce tapis de souris. Non, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais découvrir en même temps que vous. A tout de suite. Donc voilà comment est enroulé ce tapis de souris dans mon carton. Donc je vais le sortir et je vous reprends juste après. Voilà le tapis de souris une fois déballé. Donc je vais l'installer. Donc ça fait plus, comment dire, 7 que tapis en fait, parce qu'il est vraiment énorme, enfin, il est super grand. Il est vraiment super grand, donc pour ça va être bien, parce que pour mettre un grand clavier plus une souris, ça va être sympa. Il est vraiment ultra grand. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit, j'ai pas réalisé qu'il serait aussi profond. Mais ça va être sympa, avec le petit dessin ici. Les logos d'Oki. Donc voilà pour ce tapis de souris. Ici je place mon clavier dessus. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment très 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 grand. Je remercie encore une fois Oki pour ces envois qui sont faits dans le cadre d'un partenariat. J'attends encore un troisième article, donc je vais vous dire ce que c'est. Il va arriver. Aujourd'hui, normalement, vous aurez le test dans les jours qui arrivent. Hein. Il faut le temps que je le fasse. Et là, on arrive au week-end. Mais ce sont des oreillettes Bluetooth plutôt. Donc voilà, vous aurez un petit test d'oreillettes Bluetooth qui valent un peu moins de 30 euros. Donc pour vous dire un peu ce que j'en pense et vous donner mon avis dessus. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous rédige un article, je vous fais des photos du tapis. Et je vous dis également à bientôt pour le prochain article, le prochain test.